Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information dont voici le sommaire. Le parti El Karama appelle à proroger pour un troisième mandat encore au profit du président actuel en vue de parachever, dit-il, les réalisations effectuées. Le centre MGAD pour la culture et les médias organise une rencontre constitutive pour la mise en place de la Ligue mauritano-arabe du Golfe pour la littérature, la culture et le développement. Le tirage au sort du championnat arabe des clubs champions met FC Tevarzen aux prises avec le vainqueur du match Télécom de Djibouti et Mercure du Soudan. Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle session d'information. Le secrétaire général du parti El Karama, Mohamed Radi Bounaha, a appelé à prolonger les mandats du président actuel pour lui permettre de parachever ce que Will Radi qualifie de réalisation faite durant sa présidence. Cet exhorte du secrétaire général d'El Karama est intervenu lors d'une conférence de presse organisée par le parti à Nouakchott dans le cadre de l'entame de sa campagne de sensibilisation relative à la vulgarisation des résolutions issues du dialogue et leurs explications à l'opinion publique et du référendum imminent. Compte rendu de Mohamed Yahya Abdelwadoud. Le parti El Karama réitère sa demande d'un troisième mandat pour le président Mohamed Abdelaziz en vue, dit-il, de renforcer ce qu'il appelle les réalisations faites et protéger le pays selon les termes du secrétaire général du parti. Le parti El Karama est rattaché à sa revendication relative à la demande d'un troisième mandat pour le président Mohamed Abdelaziz, en vue de poursuivre ce que le pays connaît de renaissance et de développement sur tous les plans. Au cours d'une conférence de presse, El Karama a défendu la révision constitutionnelle que nécessitent les résolutions issues du dialogue, au prétexte qu'il s'agit là des aspirations du peuple mauritanien et de son élite politique. Cette position du parti El Karama dénote de sa volonté de la nécessité que le président de la République poursuive son programme prometteur dans l'intérêt du pays en vue de la réalisation de son progrès grâce à une politique de reconstruction nationale. Ainsi, le parti El Karama renouvelle la cause du troisième mandat et annonce le démarrage de sa campagne de sensibilisation au sujet des résolutions issues du dialogue et du référendum constituant imminent devant se tenir avant la fin de l'année. Une vive polémique avait marqué, rappelons-le, les assises du dialogue avant l'annonce par le président de la République de sa volonté de ne pas modifier les dispositions constitutionnelles relatives à la durée du mandat présidentiel, car, avait-il dit, cela n'est pas dans l'intérêt du pays. Après la marche de l'opposition boycotteuse du dialogue, la majorité présidentielle en a annoncé une autre le 11 novembre prochain. Par cette sortie médiatique, le parti El Karama, plus royaliste que le roi, rend un tout autre son de cloche au sujet d'un troisième mandat qui n'est plus, semble-t-il, à l'ordre du jour. La présidence de la République a approuvé un vaste mouvement opéré par la Direction générale de la Sûreté nationale, aussi dans les trois wilayas de Nouakchott que plusieurs autres à l'intérieur du pays. Une mesure qui intervient dans un contexte marqué par la recrudescence du crime et la poursuite des avertissements de la part de certaines représentations diplomatiques occidentales qui préviennent contre l'insécurité à Nouakchott. Un dirigeant au sein du parti au pouvoir, l'Union pour la République, le député Mrabat Oulbennahi, a affirmé que la dernière marche de l'opposition était hors sujet, accusant les partis qui ont pris part d'avoir refusé de participer au dialogue. Lors de la dernière émission du programme Une heure du dialogue, Oulbennahi a ajouté que les résolutions issues du dialogue national boycotté par le Forum national pour la démocratie et l'unité et certains partis politiques ont satisfait fait à l'ensemble des doléances et aspirations exprimées par l'opposition. Le centre MGAD pour la culture et les médias a organisé un colloque constitutif de la Ligue littéraire mauritano-arabe du Golfe sous le thème « La littérature et la culture au service du développement commun ».
y ont pris part des dizaines de littéraires et de poètes. À cette occasion, le directeur du centre Sidi Oulemjad a affirmé que la dimension culturelle est à la base du développement global avant d'évoquer les relations historiques entre le Bilad Chiqit et le Golfe arabique. La synthèse de Fofana Issa. En effet, la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et de l'artisanat de Mauritanie a hébergé dans ses locaux, en ce dernier jour du mois d'octobre, les assises de l'Assemblée constitutive de l'Association des littéraires de Mauritanie et du Golfe, sous l'initiative du Centre Amjad pour la culture et l'information. La rencontre de ce lundi s'est articulée autour du slogan, je cite, « Le rôle de la culture et de la littérature dans le développement partagé ». En cette circonstance, le docteur Mohamed El Arab, qui dirige en ce moment la dite association, a affirmé dès l'entame de son allocution qu'il se réjouit du fait que la contrée légendaire abritant le million de poètes qu'est la Mauritanie ait été tout logiquement retenue en vue de la tenue de la dite assemblée. Il a ajouté au passage que le pays renferme à ce jour d'éminents penseurs et autres icônes de la littérature arabe, parfois méconnus, mais qui en restent cependant les précurseurs et sont d'ailleurs à l'origine de la création de ce forum qui les réunit aujourd'hui. Ce creuset de pensées et d'échanges féconds dédiés à la littérature arabe, qui fut longtemps un vœu pieux, devenu à ce jour une réalité, soutient-il. Il a alors rappelé que l'organisation a déjà à son actif des actions mises en œuvre en vue de générer l'émulsion de la créativité et l'esprit d'initiative parmi les talents qui foisonnent au sein de la frange juvénile du monde littéraire de la péninsule et du Golfe arabique. Il a précisé à ce sujet que les différents challenges et compétitions organisées seront sanctionnés par la remise de lots récompensant le savoir-faire et l'excellence en la matière. À sa suite, le secrétaire général de l'association, M. Sidi Oulemjad, a quant à lui mis en exergue la nécessité d'étoffer les paramètres culturels de la société à travers les liens séculaires déjà existants, en revivifiant par exemple les jalons historiques qui se sont ancrés entre le Bilad Chiqit et les pays du Golfe et dont ce regroupement que constitue cette assemblée va s'évertuer à renforcer davantage. Il a aussi tenu à cadrer le programme de ce lundi dans un contexte qui se veut une continuité logique des gratitudes pour l'honneur fait à la Mauritanie en lui confiant les rênes de la Ligue des États arabes au terme du dernier sommet qu'elle a eu à abriter. Il est à noter qu'au cours de cette assise, certains acteurs de la sphère culturelle et littéraire arabe ont été honorés par l'attribution des boucliers symboliques en vue de saluer leur contribution notoire au concept. À la clôture de l'événement, l'auditoire présent a été gratifié d'une balade musicale du terroir exécutée avec maestra sur un instrument à cheval entre la mandoline espagnole et la guitare persane, jouée comme une guitare basse électrique par moment, mais restituant une envolée purement orientale dès que le rythme est lâché. La coalition du consensus national annonce la passation de sa présidence rotative au parti de la nouvelle génération à celui de Temem. La coalition a salué les résolutions ayant résulté du dernier dialogue national inclusif, ajoutant que sa contribution à ces assises politiques ont permis de poser d'importantes questions prioritaires aux yeux du peuple mauritanien à débattre en vue de les enrichir. À cette occasion, le président de la coalition, Youssouf El-Harma, a déclaré que le discours du président renferme d'importantes idées relatives à la restructuration de l'État sur de nouvelles bases, ce qui nécessite un travail immédiat sans plus tarder. Le Haut Conseil des jeunes a organisé une session de formation à Nouakchott à l'intention des jeunes dans le domaine du management des projets et des institutions culturelles. Y ont pris part de nombreux jeunes sélectionnés, entre 150 candidats, pour participer à la dite formation. Selon le Haut Conseil des jeunes, cette formation d'une durée de 4 jours vise à renforcer l'expertise des jeunes actifs dans le domaine culturel en vue de les rendre aptes à mettre en place des projets culturels qui leur sont propres. Le ministère délégué auprès du ministère de l'Économie et des Finances, chargé du budget, a organisé ce mardi, en collaboration avec le PNUD et le PNUE, un atelier de validation des notes sectorielles pour les départements de la santé, du pétrole, de l'énergie et des mines dans le souci d'une meilleure intégration de la problématique sur la pauvreté et l'environnement financée par la troisième phase du projet Initiative Pauvreté et Environnement. Un reportage d'Adama Kone.
En Mauritanie, la pression sur les ressources naturelles est de plus en plus importante, ce qui engendre une dégradation progressive et généralisée des ressources. Si une telle évolution devait se poursuivre, elle compromettrait l'atteinte des objectifs du développement durable, en particulier ceux relatifs à la réduction de la pauvreté, à la sécurité alimentaire, à la santé et à la protection de l'environnement. À ce effet, l'initiative Pauvreté, l'environnement, programme des Nations Unies chargé de l'environnement, appuie le gouvernement mauritanien depuis 2007 afin d'inverser cette tendance de dégradation, mais aussi pour soutenir la mise en place d'institutions solides capables de gérer la question liée à la gestion durable des ressources naturelles et à la lutte contre la pauvreté. C'est donc dans ce cadre que s'inscrit la protection de ces notes de politique sectorielle dont la réalisation rêve un caractère d'une importance capitale pour le pays. C'est d'ailleurs ce qui vient confirmer les propos du secrétaire général du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et de finances chargé du budget, qui revient en outre sur le bien fondé du concept. En effet, l'intégration de la problématique pauvreté-environnement dans les politiques sectorielles permet à la fois d'assurer un développement durable à travers une exploitation rationnelle et raisonnée des ressources naturelles, mais aussi par l'accélération d'une croissance pro-pauvre nécessaire à la lutte contre la pauvreté. Ces notes ont pour but d'aider le gouvernement à mieux prendre en considération la dimension gestion durable des ressources naturelles pour une croissance pro-pauvre dans les politiques stratégiques et programmes de développement. Elles visent une meilleure cohérence dans l'exercice d'une gouvernance environnementale, ainsi que le renforcement des capacités dans la mise en œuvre des politiques environnementales au niveau national et local pour la réduction de la pauvreté et le développement durable en Mauritanie. Il faut noter que cette restitution s'adresse aux décideurs, les parlementaires, les partenaires techniques et financiers, les acteurs de la société civile, du secteur privé et des universitaires. Ils nous citent dans ce cadre l'impact recherché par le programme et reviennent pour nous sur les sommaires de ces ateliers d'une journée. La production des notes de politique sectorielle permettra sans doute de sensibiliser les décideurs politiques sur la nécessité d'une prise en compte réelle de cette problématique et mettra à la disposition des acteurs concernés les outils indispensables à cette intégration. Mesdames et messieurs, au cours de cette journée, vous aurez à suivre des exposés relatifs à l'étude sur les notes de politique sectorielle pour les secteurs de la santé, du pétrole, de l'énergie et des mines. Je vous demande de participer activement au débat pour enrichir les contenus de ces études afin de le rendre le plus opérationnel possible. Notons pour terminer que le secrétaire général du ministre de l'Agriculture, de la Santé, de l'Énergie, ainsi bien entendu celui de l'Environnement, dont tout prit part à cette rencontre technique sur le problématique. Le tirage au sort des phases préparatoires au championnat arabe des clubs champions s'est déroulé dans la capitale jordanienne, Amman. Trois équipes seront sélectionnées pour les phases finales qui auront lieu au Caire, en Égypte, du 21 juillet au 5 août 2017. Y prendra part FC Tevrarzen, vainqueur du doublé championnat et coupe du président de la République, qui rencontrera le vainqueur du match télécom de Djibouti et Mercure du Soudan, selon le tirage au sort qui s'est déroulé à Amman. Trois soldats sionistes ont été attaqués par un élément de la police palestinienne près de la colonie de Beit El, au nord de la ville de Ramallah. Le Palestinien a tiré sur les trois militaires israéliens, dont les cas différents, suivant les médias hébraïques. Un reportage de Babacar Fall. Trois soldats sionistes ont été attaqués par un élément de la police palestinienne près de la colonie de Beit El, au nord de la ville de Ramallah. Le Palestinien a tiré sur les trois militaires israéliens, dont les cas différents suivant les médias hébraïques. Ainsi, la dixième chaîne a affirmé que l'un des soldats a été très gravement blessé par plusieurs balles, à la suite de quoi il a été transporté d'urgence à l'hôpital de Hadza Ain Karm. Tandis que ses deux camarades présentaient des blessures d'une gravité moyenne. L'opération a été exécutée par le martyr Mohamed Abdelkhaler Toukman, un des éléments de la police de la localité de Kabatiyé, près de Junine.
Le site hébraïque 0404 estime qu'il s'agit là de la troisième attaque effectuée par un élément de la police de l'autorité palestinienne sur les éléments du poste de passage de Beit El. Le centre des études palestiniens israéliens dénombre 263 martyrs de la troisième intifada d'El-Quds, côté sioniste. Le média palestinien porte à 42 le nombre des blessés et à 680 celui des morts, parmi dans plus de 100 attentats au cours desquels des armes à feu ont été utilisées. La localité de Kabatieh, située près de Jenin, est sortie tout entière pour les funérailles du policier palestinien, annonçant officiellement le décès du jeune Mohamed Abdelkhaler, turkmène âgé de 25 ans, mort en martyr après avoir tiré sur trois soldats sionistes non loin de l'accès de la colonie de Beit Al. C'était toute l'actualité. Rappel des principaux titres. Le parti Karama appelle à proroger pour un troisième mandat encore au profit du président actuel en vue de parachever, dit-il, les réalisations effectuées. Le Centre Mjad pour la culture et les médias organise une rencontre constitutive pour la mise en place de la Ligue Mauritano-Arabe du Golfe pour la littérature, la culture et le développement. Le tirage au sort du championnat arabe des clubs champions FC Tevrakzen aux prises avec le vainqueur du match télécom de Djibouti et Mercure du Soudan. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de votre attention et bonne suite de programme sur El Morabeton. Vous pouvez suivre cette édition ainsi que les précédentes sur notre page Facebook dont l'adresse apparaît à l'écran. À bientôt.